que vous allez bien, que vous vous portez très très bien et que tout se passe bien pour vous. En fait, aujourd'hui, j'allais sortir et je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo préparation avec vous. C'est-à-dire que là, j'ai une petite soirée chill entre potes et je me suis dit que j'allais me préparer avec vous. Donc là, actuellement, je viens à peine de sortir de la douche, je me suis même pas crémée, j'ai rien fait. On va commencer tout simplement par la coiffure, puis après, je vais aller me crémer parce que là, j'ai un peu les cheveux mouillés et je préfère toujours les coiffer quand ils sont un peu mouillés, comme ça, ça fait moins mal et surtout, ça les casse beaucoup moins. Donc je me coiffe et après je vais me crémer. C'est parti. Les filles, j'ai mis un petit débardeur tout simple hein, pour pouvoir vous filmer. Ça sera plus pratique que la serviette. Donc pour réaliser cette petite coiffure qui est le plaquage des cheveux bas, je vais utiliser ce petit donut pour pouvoir mettre un peu du volume à mes cheveux derrière. Et un élastique, ma brosse plaquante. Et bien sûr, du gel éco. En fait, je vais utiliser aussi de la GoToBe. Parce que c'est hyper pratique. Genre, c'est bien pour bien plaquer. C'est vraiment le top. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que mon peigne, comme il est hyper large, et ben vous voyez, genre ça, ça m'arrache pas trop de cheveux. Ça, c'est une très très bonne chose. Et ça, c'est vraiment le meilleur achat que j'ai pu faire en 2021. Les élastiques aussi, c'est hyper important. Vous savez, de prendre des élastiques comme ça, c'est mieux pour les cheveux. Après, souvent, je les trempe dans de l'huile. Mais là, j'en ai pas à ma portée. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà comment je perds mes cheveux. Tout en étant polie, bien sûr, bien évidemment. Regardez. Et c'est ouf, comment j'ai perdu trop de cheveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai perdu énormément. Vraiment, ça devrait aller vite. J'ai pas envie de plaquer trop bas. J'ai envie de plaquer un peu haut. Vous savez, les petites coiffures un peu haut des meufs, là, actuellement, que je vois un peu sur Instagram. J'ai grave envie de faire ça. Je sais pas si on voit un peu de mon donut, mais bon, c'est pas grave de toute façon. Oula! Ce que je vais faire éventuellement, c'est de prendre ma petite brosse à dents et de venir faire, vous savez, mes petits baby hairs. Je vais venir les travailler. Même si je ne vais pas les travailler, vous savez, je ne vais pas faire les petits trucs. Mais je veux vraiment qu'ils soient bien, qu'il y ait bien du gel, qui les maintient. Voilà les filles, le résultat final de mes cheveux. J'aime trop, vraiment j'aime trop. Surtout quand ça fait longtemps que je ne me suis pas plaqué les cheveux et que j'arrive comme ça, je me plaque les cheveux. J'aime trop. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué quand je me plaque les cheveux, c'est que j'ai vraiment l'impression que mes pommettes, genre c'est trop. Genre j'ai l'impression que j'ai des pommettes à... Une fois, on m'a déjà posé la question en plus si j'avais refait mes pommettes, alors que pas du tout, mais genre pas du tout. J'ai jamais, je sais pas, je songe même pas à faire ça parce que bah, j'en ai en fait, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà les filles, en fait je crois que je vais faire juste un truc en même temps, c'est que je vais me maquiller, je vais me préparer, je vais tout faire en même temps et après je vais aller me crémer et m'habiller. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça parce que du coup je sais toujours pas qu'est-ce que je vais porter, je ne sais pas. Franchement les filles, aujourd'hui j'ai grave envie de faire un make-up avec un rouge à lèvres. Je trouve que ça ferait trop bien avec les cheveux plaqués comme ça et tout. Genre je mets du rouge à lèvres, ce serait trop bien, mais je sais pas. Je sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer. Ça m'a fait peur. On va commencer par travailler ce qu'on travaille d'habitude. C'est-à-dire on va commencer par les sourcils. On verra bien, on va improviser selon l'envie qui nous viendra. Sachant qu'aujourd'hui j'ai acheté un rouge à lèvres. Je le trouve trop beau. Genre je trouve que la couleur, oh, ça irait trop bien. Franchement ça irait trop bien.
J'ai très envie de... Voilà, je commence par mes bêtises, je viens de le casser. Oh là là, c'est pas vrai, Joyce! Quand je me maquille comme ça et que je mets vraiment genre poudre et tout etc, normalement je mets des faux cils, sauf que là le problème c'est que mes yeux ne supportent plus du tout les faux cils depuis quelques temps, et à chaque fois que je les mets genre j'ai l'impression que je sais pas, je les supporte pas, donc j'ai décidé d'arrêter d'en mettre tout simplement. Voilà, je favorise beaucoup plus le mascara que les faux cils. Je vais faire quelque chose que j'aime faire, c'est à dire du blush. Le blush, c'est vraiment mon moment favori parce que c'est vraiment le moment où... J'ai l'impression que c'est un peu ma personnalité. Vous savez, dans le maquillage, il y a toujours un truc qui vous représente. Je sais pas, genre, le truc, vous pouvez pas vous passer. Donc, vous pouvez pas vous passer, plutôt. Et bah, moi, c'est le blush. Je sais pas vous, c'est quoi, mais moi, c'est le blush. Je trouve que ça fait vraiment trop bien avec le rouge à lèvres. Attendez, je vais mettre tout simplement mon highlighter. Oula. Je vais mettre mon highlighter. Et je vais mettre le highlighter de Primark parce que je trouve qu'il brille très très bien. Et qu'avec ça, c'est sûr que je vais briller de mille feux. Et voilà, voilà, on a terminé la partie make-up, coiffure et tout, donc je vais aller me crémer, m'habiller et je vous montre comment je me suis habillée. Et je vous montre aussi également les colliers, tout ce qui est bijoux, etc. Du coup, voilà les girls, on se retrouve. J'ai opté pour un petit top bustier un peu et tout. Enfin, à moitié bustier parce qu'en fait, de base, vraiment, j'ai des bretelles qui tiennent là. Mais vu que, je sais pas, c'est un peu trop grand, du coup, ça tombe un peu. Mais après, moi, je trouve ça trop stylé, vous voyez. Donc du coup j'ai décidé de quand même le porter. Ici ça maintient les seins, donc ça m'évite de mettre un soutien-gorge, ce qui est très bien parce que je ne supporte plus ça. Et j'ai opté aussi pour un petit jean bleu. Attendez, je vais essayer de vous baisser un petit peu pour que vous puissiez bien le voir. Je sais pas, je vais reculer. Donc voilà, j'ai opté pour un petit jean bleu. Et ça je vais mettre ça du coup avec mes petites Converse. Je pense que ça va bien le faire. Et un petit sac blanc. Donc normalement, ça passe. J'essaie tout ça et je vous montre ça directement. Voilà les filles, j'ai opté pour des petites boucles d'oreilles comme ça. Je les trouve trop belles, je les trouve trop mignonnes. Ça passe vraiment bien avec comment je suis coiffée, comment je suis habillée. Et aussi, j'ai mis des petites bagues, voilà, comme ça. Et un petit collier. Enfin, je l'avais déjà tout à l'heure, mais du coup, je l'ai mis. Les filles, je vais vous montrer comment ça fait avec les chaussures et aussi avec quel sac je vais mettre tout ça. Oui, ça, ça se voit vraiment. Voilà comment ça sort. Je trouve que ça sort bien. Et sachant que je mets avec ce petit sac là, genre un petit sac blanc. Je pense qu'un petit sac noir, ce serait peut-être mieux, je sais pas. Est-ce que je prends un petit sac noir parce que là, je le trouvais trop cute, genre. Bon, les filles, dites-moi entre celui-là et celui-là, je sais pas. Quand je recule et tout, je me dis c'est mieux, je prends celui-là. Mais le blanc, c'est vrai que... Là, ça fait trop de blanc. Je pense que je vais prendre celui-là pour un peu casser le truc en mode... Vous voyez, genre... Ouais, je vais prendre celui-là.
Ouais, ça le fait grave. Oh, ça fait trop bien, j'aime trop. Donc voilà les filles, on arrive à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à commenter la vidéo, à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce style. Et surtout à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous.